L'ancienne propriété de Coluche abrite un jardin botanique de toute beauté. Il offre un condensé de la richesse de la faune et de la flore guadeloupéenne. Après ce petit moment, passé avec les perroquets, retour au calme avec la cascade et un florilège de plantes tropicales. À Petit-Bourg, proche de notre maison, les jardins de Vallombreuse s'étendent sur plus de 4 hectares en pente douce. Le nom fait référence aux vallées ombragées de la région. On y recense plus de 300 espèces de fleurs et de plantes. Cette chute est l'un des sites les plus visités de l'île. Elle se trouve à 3 minutes de la route des deux mamelles et elle est accessible à pied. Un bassin au pied de la cascade permet de s'y baigner. Le Grand Garbet prend sa source à 1300 mètres d'altitude sur les pentes de la Soufrière et se jette dans la mer à Capesterbello. Par trois fois, le torrent se jette du haut des falaises du flanc sud-est du volcan. C'est la deuxième chute que nous décidons de visiter sur un chemin bien balisé, mais le terrain est glissant. C'est d'un promontoire que nous admirons cette chute de 110 mètres de haut. La Soufrière, celle que les Guadeloupéens appellent la Vieille Dame, est un volcan jeune et toujours en activité. Avec 1467 mètres, c'est le point culminant des Petites Antilles. Dans une petite brume, nous avons cheminé sur ses pentes depuis les Bas Jaunes.
Christophe Colomb entra, le 4 novembre 1493, dans l'éclatante baie des Saintes. Près de 30 minutes après avoir quitté Trois-Rivières, la vedette accoste à terre de haut, dans la célèbre baie en arc de cercle, son petit pain de sucre sur la droite et le fort Napoléon en surplomb de l'autre côté. Dame tombée, ça pas fait paix. Il pas ni justice, assis la terre. Mais mon ka hélé, mon ka souffert. Assisté là, arrêté là, arrêté là. Café chaud là, chaud là, chaud là. Cette charmante dame, habitant Terre de Haut, nous propose de faire connaissance de sa ville, dans son véhicule, et c'est avec plaisir que nous allons découvrir le Fort Napoléon et son musée. Puis nous empruntons les rues étroites de la ville avec deux ou trois arrêts pour admirer les points de vue les plus remarquables. Explosion, big confusion. Al-Qaeda business, no solution. No justice, asula. C'est là que je vais vous montrer la roche percée, une autre île de l'archipel non habité. Dans ce quartier du fond de Curée, c'est là qu'on trouve le plus de pêcheurs Saint-Trois qui y habitent. Dans le guide du routard, ils disent qu'ils sont réputés comme étant les meilleurs de la Caraïbe. Chacun a sa technique. Et justement, ce quartier commence avec le marché de poissons, le Fisher Market. Right. C'est ouvert du mardi au samedi matin entre 6h et 10h. Vous habitez ici, vous, madame? Oui, juste là où il y avait les travaux, à côté de la presse. Ah, oui. La boulangerie principale de Bakery. Et le marché de fruits et légumes juste après à droite. Alors, on est approvisionné par les Guadeloupéens, mais aussi par les Dominicains. Puisqu'ici, on ne peut pas cultiver à cause des iguanes qui mangent et à cause de la sécheresse. Ah. C'est en compagnie de José, Alex et Jean-François que nous avons fait le tour de Marie-Galante. C'est ici que l'on produit le meilleur rhum des Antilles. C'est comme ça,
été. Oh, oh. Rassemblé pour vivre, pour le cap si maillé, sous question déconnecté. Chez moi à Baïf, c'est Assor. Alors, il y en avait un vieux parmi eux qui disait, même pour aller à Rome, il faut passer par moi. Il faut passer par moi. Thank you.
qualité, on a des gens, des personnes de qualité, on a de magnifiques créations, enfin des créateurs qui ont beaucoup de goût, beaucoup de choix. Ces créations donc sont donc des créations de créateurs lamantinois. On peut...
Thank you.